بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي أتم نعمته علينا الحمد لله الذي هدانا للحق وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا كثيرا وعليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون نصلي ونسلم على من أرسله رحمة للعالمين نصلي ونسلم على آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ولا سنبدو أسيق الأخير الله ألا كان أولي خير الله ألا كان سبتيش ولاني ألا سنة أمي taratala nala sonande taratala makalo kletane kele samba fla muga anikele lambadi biye taratae mikro regle ko biye taratae makalo kletane kele samba fla muga anikele inshallah wala nuratina aklobe abal malikana ala kadinana نوي أستاذ برتي أستاذ برتي أستاذ برتي نيما دون أولا أفوكو على خوابا موتلين ولا سنبدو إن شاء الله بيه
Bie tarata ye. Mekalo kile tani kile. Samba flambuwa ni kile insha Allah. Ula nawati na. Akulo bea abalimake dekana alaka dine na ustazi berti. Alaka waraba murutile inkaramogo shariatiki kabosigasu. Lafya bugu koko insha Allah. Ansinzile nko feni dali masato kwa barika mai. Ame kishi nema njini alafe. Kajidi ankuntiki kanuwe Muhammadu ye anakasu. Okofa ame tanganyine alafe. Kabanjugu toro lanuwe iblisai. Okofa ame fulise bela jilema. Mao maade klobankana Radio Kaira FM 102.0. Kasigero bensigasu lafya buguma insha Allah. Ola, anfaflan, anbaflan. Ani daniba sababu nukulobankana. Ani mao maade klobankana. Amanyina Radio Mbarakila uko. Ulude kila sababu jumai na ukulobankana nisangayena, insha Allah. Ula sambadu, kome deli nakula, never, dizer, Radio Kaira FM, kada minentene, katabla, jumana, amini ngosora nikene kile nika, insha Allah. Ula ni masasona, nianga walanda kunlaba uye, insha Allah, kome nene e, nene au, Amina waka, radio ina abina gata kalofla nyongonana. Wala alhamdulillah, anye wakati minta radio imbolo, poruke mi kumba unkona kufa awi, ameka ngase, halaba yoroma, insha Allah. Asebe alaye, ntene, wali matarata, anga emission nangu jofolo, osebe alaye, insha Allah. Sabu hude wakati, wakati mina, ne wakati minta, radio bolo, Wakati be banka beno de le 18 mai habu fam donc atakun kunti dore pour que fenchama be islamela mono nyagamulinde do mono freglende do mono nyedonte mono shidolente habu famo donc wakati ni takun aradola akun kunyode habu fam amata maneni kama amata madoya kama amata ma buruja kama ma kuntaladi puruke nyefe munu yes la meala munu nti normali abifamu ani chika ni kumene bolo kufa awi ni wakati na purle mama okuye niye donk na manyako chi la sila kabam donk sa upli la pen koma oba kala machogo mena ani do oba kala machogo mi ernu na arajola abisara de kalula abifamu donk kalo flami ni kumyota O sara la kaban, o kanga ba lendi, katabla mardi la. Le 18 mai. Abi fama. Donc ni mounou ya ye, a emission te kanga passe ni marsi teme atro de ni mardi teme na. Da ou lou kana da korawara fouika. Kabla ou kuna wati minin kwenye ata, wati de bana. E pi nya ye chin, alase la kaban kwe. Alase la kaban, e se sa l'essentiel. Apre ke le message soit transmis, Je n'ai plus encore vu d'importance vraiment de venir faire des récitations. Nichi la cela kaban a to oti femba inebulu kana war saraka bla ka jueti o fente. Donc comme ambo oti la banero la biye tarata e mekalo kleta nikele samba flamo gani kele obai raula kame direct la beno e tarata e mekalo kleta nikele samba flamo gani kele. Donc on fait occasion pour que toujours depuis mon ya la même demain kana bla fambe sisana ni nyingali mimbe obolo walma ni mimba sanyoro miye tujur wa ya opportunite de bita indabola ude kama purke kasega limbla direkti la maukadu habifa mwa ambadu wala wala le nkofedu ansige meni miyebi waye ustaz Berthe sur Jafar de Burkina Faso volume 5 ustaz Berthe sur Jafar de Burkina Faso volume 5 Comme nous avons fait une précision, nous avons fait une émission de Ndabola de Mbadou, parce que nous avons fait un franc, parce que nous avons fait un coq, parce que nous avons fait un franc, parce que nous avons fait un franc, nous avons fait un franc. Nous avons fait un franc, 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 Ofana fola kabana wakati na mafa abana pepe u me anwe wakati minta kama wakati udebekanga ba insha Allah.
abe fama ore kono na nambari amfana be kena mika oye ni kumbembolo ka foja farka Burkina Faso ni volume 7 nani nyongona glana kaban ni ye a volume durunai o volume duruna otidore ode volume nani nkono kuma doba kono me fenka kuma mo apiebele kadaludi akuma ima ninga akuma ingria ka kologria abe fama afama ko renforcement sadir ni kuma dofo halbi me fenga kuma nu 70 ya ninga agria mbadu okuma yejuma e ode qurana kono asuran duru aya biora anishigi qurana suran duru aya biora anishigi a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala qura mina قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا تعس على القوم الكافرين أمبدو نيو قرآن سورة دورو آية بيورا أنشيكي الترجمة الفرنسية لا ترجمة الفرنسية شابتر 5 Verset 68. A'ouzou billahi min sharri shaitanir rajim. Dit, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Dit, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne conformez pas à la Torah et à l'évangile et ce qui a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Chapitre 5, verset 68. Ambadou, nous commandons une yora inka. Tumamina, Jafar Ouattara Burkina Faso, ne a un restrement auke. A un restrement nous ke kun kunti dorey, kun fla de kundo. A kun folo, pour que, a kalase, Jafar ma, Burkina, a psega ke sababuye, ka audience nini, a psega seke ka kumana sante, kachatin nous konnatawe. Ok, n'y a kun folo folo ye. Abi fama message de doko sa comme une lettre sebe ka kuruka do enveloppe kono ko ay ne ndi kar sa mamba ko bala kay ni yo nyona de c'est une autre procédure abi fam o procédure mbadiu akun dabola ore kama ka resre ma oke ka blakata akala me na masson romie akata amesigi amekuma akun dabola ore kama ama daba wiya 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 kama ama daba manene kama ama daba doga ma kama abi fam. Donc comme déjà, après la que amar resserman nous serons folo, on a nous sera donc mena do fara kan halbi comme titre de preuve, na yo sera donc na be ketchoga mena ama olomat inshallah. Okuya kun folo folo ya resserman nous, akun flana kun djume neni Jafar sigilao, neni Jafar masigio, ngao munu kon nisla na ka di awi pour ka obse ka bof la choni, okuya kun flana yi. Nyaga mu ka bof la mela Freke ka boss la mala aka woloma ka suguya don ka don effectivement ni de chai ni e chai na eja iba mine wa na eja fana iba toish abi fama akundo fana kuyoi don ode kama akunye qur'ana aya chama fo nene segela okoro kan ko fo awi o madugo awla ode fana kama akunko aw makale ya kala qur'ana kono ko seli fana e medipil o fana kuye kaloyi ne o fo awi ka fo te qur'ana kono qala ko gaseli fana sel mede pil abi fam afana kun ko ko juma be sel jogo nani ko jogo flate ko parce que juma be dikira madoni o ba sura kira ko me dugo tagasara la ambadu ne ya fawi mo fane kaloi an resreman nun kono hakilan jigi de do kwa abi famo donc kana se niveau do la qur'ana suran duru aya bi woroni shegi akoro mina ala ko ni yorende la ko hey aw ahlul kitabi mogo au ahlul kitab mogaw au tike foyikan fona we baraka ni taurata ani injila ani fami injigina auka qabaw mayro abadu ala ni kuma mi fana fo Jafar ka Burkina Faso anaka mogaw CCGT ulu de ni koro info badu qafa ala ni mi fo ko ala ko ka baraka ni gafe sabade ko taurata injila ani zabura ko he ala kuma kan e ni wara na qur'ana kono sura nduru aya bioro anishigi ambadu kami ne afa awi to gumina ni wara in korate oyi akorate oyi kafo
ñinal de beke jonne de ahlul kitab mogoy en badin ni qurana ki mako ahlul kitab ou bien ya ahlul kitab ala kambe maudema momu ni gafe soroka ko anñe ul de ahlul kitab ya qurana ko non badin insigi meno dalude comme ulu koko ote oui donc o dalle mi ala ko woro mina qurana ko non ni ya me ahlul kitab ale kambe maudema mune gafe soroka ko qurana ñe ba o dalu be yoro muna qurana kono me fen ko dalu de fara na folio kan toujours pour que ka to ko griya aw ka se ga fam ami famwa ni ya me ahlul kitab qurana kono ahlul kitab de mogoy kira tila mamunu makako awnye ulu e jonwi o doye kretenwi ulu e jonwi o doye yahudiawi anato me ala be kuma munu ka ka chani woronna o e kretenwi yahudiawdi ami famwa kreten Yahoud, les chrétiens et les juifs. Ala bekuma ulu de fakatia. Wa ala fana chikan bla ulu de ni yorena. Qurana suran duru aya bi yorani shigi. Ka fa utika fuika. Foni oye taurata. Ani injila. Funo e baraken oye. Ala kante Muhammadu manto man yorena. Ala kante maude. Akame maude ma. Mamuni ni abufuma chrétien. Mamuni ni abufuma ko yahudia ou. Abifa moa. Chrétien ou. Ani yahudia ou. Ala e ulu de welea. Men yorena tede. Niora na ala kwa ahlul kitab. Donc Jafar Burkina Faso ale ni aka mogo CCGT o le ni kala kono ko be gafetigi par exemple kona fula ahlul kitab ko mogo mun e gafesoro mogo mun e gafesoro ko Muhammadu manton fana gafedosoro no Qur'anai ko Muhammadu fana manton sembe ni ala ko ya ahlul kitab ambadun o de kaloe bi o de kaloe sini slame ala o techai ala ma Muhammadu manton jati ahlul kitab mogofe ala ma qurana tigu no ye an mo abmanton yi ala ma an jate ahlul kitab mogofe o tetain ambadun o dallo kelente qurana kono mais insigi men dallo munwi o lu de dallo e kaira ila qurana tigu no ye muhammadu manton yi ala ma an jate ahlul kitab fa ni qurana tinyo so so kaban o la nesigi men o dallo munwi nete de aw yuru qalame hein nous comptons te comme nous avons débattu dans Madala na bena boko parce que débat kenyen nyete débat kenyen na oku parce que nous a ti oka ti okara mogo de ma donc nous okara mogo kan reçoit pour que djien be ba kalama mais nyabala il cherche à passer de côté au lieu oka ti okara mogo ma il se met à la place de leur guide donc nyete bochukola o débat ina donc abola o amabo o donc au kachan donc c'est ça l'essentiel ami famoa ambadon ala ya hira yoro jume de la ko an mamunu ye qurana soro an sente ahlul kitab la appellation na ala ko ya ahlul kitab baba irana kan sente la an gata qurana kona de ni yoro jume ye qurana soro duru aya bi yoro ni shegi ode jafar watra ani ccgp ode o sike kan yi ko ala ko barakan gafe sabai taurata injila ani qurana an badun ala mo fo an yi ala yewele de bla ahlul kitab mogoma ama fa aunde ama fa hay au mu'minu ama fa hay au islamu ama fa hay au muhammadu mantun nga ko hay ahlul kitab hay au mantun munu ye gafe soraka konkira muhammadu nye ode ha appellation kretion yahudiyo ani kira ko mawo qurana yulu de wele ahlul kitab ambadu passons maintenant à des preuves anan dalui angaye le sanfe qurana kono suran duru aya biduru ne kononto qurane suran duru aya biduru ne kononto katabla fo aya imi korobola ka fo awino biworoni shegnai kadamna biduru ne kononto katabla fo biworoni shegin ala e detail ke woro de lawo mamunu ye ahlul kitab yi ala e wu décrit ayu déterminer on appelle qui les gens du livre chers interlocuteurs chers auditeurs auditrices qui sont ceux qui sont appelés des gens du livre dans le Coran? Eh bien voilà, ce sont ceux qui ont reçu les livres avant le Coran. Ce sont eux qu'on appelle les gens du livre, précisément les chrétiens et les juifs. Si le Coran vous parle de gens du livre, comme dans ce chapitre 5, verset 68, Dieu dit aux gens du livre, بعد الياذ بلا من شر شيطان الرجيم, vous ne tenez sur rien tant que vous ne conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Mais si Dieu dit aux gens du livre, il y a
un groupe qu'on appelle CCGT, Comité culturel de la génération des Trois Testaments, les disciples de Djafar de Burkina Faso, ce sont eux qui ont eu à interpréter ces versets en disant que quand Dieu dit aux gens du livre que ceux qui possèdent le Coran, c'est-à-dire les musulmans, font partie des gens du livre dans le Coran. C'est ce que nous voulons montrer et c'est ce mensonge que nous voulons démontrer. En quoi disant? En disant que Dieu n'a jamais fait partie, il n'a jamais considéré les possesseurs du Coran comme faisant partie des gens du livre par appellation ici dans le Coran. Quand le Coran vous parle de gens du livre, il s'agit bien sûr de ceux qui ont reçu les livres bien avant la communauté musulmane, la communauté de Mahomet. Il s'agit entre parenthèses ici des chrétiens, des juifs et tous ceux qui ont reçu les livres bien avant le Coran. On les appelle les gens du livre. Les gens du livre. Mais nous qui avons reçu le Coran, nous n'en faisons pas partie. Est-ce que vous voyez? Nous n'en faisons pas partie, nous faisons exception à cette appellation quand Dieu dit aux gens du livre. Et vous-même allez découvrir dans d'autres versets, à travers même la lecture des versets, dont vous allez vous rendre compte que vraiment si nous faisons partie des gens du livre par appellation, ça veut dire que nous sommes foutus. Parce que ce que Dieu va dire aux gens des livres, hein, ce qu'il va dire aux gens des livres, si vraiment nous en faisons partie, ça veut dire que nous sommes foutus. Communauté de Mahomet, possesseur de Coran, nous qui avons le Coran, si on accepte que vraiment le fait de dire aux gens du livre que nous en faisons partie, vraiment ce que Dieu va dire dans chapitre 5, verset 59, chapitre 5, verset 60, chapitre 5, verset 61, 62, 63, 64, 65, 66, ça veut dire que nous sommes foutus. Parce que de là, Dieu a parlé des gens du livre de façon négative, en montrant leur mécréance, en montrant leur hypocrisie, en montrant leur égarement, leur perversité. Dans chapitre 5, versets 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Quand Dieu dit que les gens du livre sont comme ceci, les gens du livre sont comme ceci, les gens du livre n'acceptent pas la vérité, les gens du livre ne croient pas, les gens du livre sont pervers, les gens du livre sont mécréants. Quand Dieu dit ceci, et si quelqu'un dit que nous, qui avons le Coran, en faisons partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train d'être qualifiés par Dieu ainsi. Et si vous voyez, donc allons directement à la lecture de ces versets coraniques. Chapitre 5, verset 59. Coranais, Asran Duru, Ayab Bibru Anakonanto. Ambalon, Alakotugodi. Dalumunubaira Aula, ni Alako Auma, ho ya ahalal kitab. Ni Alayofo, ko ahalal kitab. Ikado kera Muhammadu se. Kera Muhammadu naka Korana, ou sente ola. Abifa moi. Ni Alakambe, munu ye gafe soroka ko Muhammadu nye. Abifa moi. Coranais. Suran duru aya bidru no konato a'udhu billahi min sharri shaitani rajim qul ya ahlal kitab ya mawa ya ahlal kitab mawa amin bina faraka yako la mabay qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilayna wa aqsarukum wa anna aqsarukum fasiqun. Chapitre 5, verset 59, dit de quoi? Traduction en français. Dit, oh, gens du livre. Qui doit dire? C'est pas le prophète Mahomet qui doit dire? C'est le prophète Mahomet qui, à qui Dieu demande de dire ici. Dit, oh, gens du livre. Est-ce que vous nous reprochez quelque chose autre que nous croyons en Allah? Autre que de croire en Allah et ce qui a été descendu sur nous? Et ce qui a été descendu sur nous, et nombreux parmi vous, sont des pervers. La plupart d'entre vous sont des pervers. Voilà le premier verset. Quand Dieu dit au prophète Mahomet de dire, « Ya ahlal kitab, ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez quelque chose autre que de croire en Allah et à ce qui a été descendu sur nous ?» N'est-ce pas? Mais, que veut dire ce verset? Ce verset ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont le Coran, leur façon de croire n'est pas égale à ceux qui ont ce qu'on appelle l'évangile et la Torah, ainsi que les gens du livre, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut montrer ici la différence entre nous et les gens du livre. En quoi disant? En disant que est-ce que les gens du livre là ne nous reprochent pas quelque chose d'autre
qui ne soit autre que de croire en Allah et en ce qui nous a été descendu. Parce que nous disons que nous croyons au Coran. Nous disons que nous croyons au prophète Mahomet. Et maintenant, les gens du livre, contrairement à eux, ils disent quoi? Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de croire au prophète Mahomet, ils n'ont pas besoin de croire au Coran. Ce qui leur suffit, c'est leur évangile. Ce qui leur suffit, c'est leur messager Jésus, paix et salut sur lui. Ce qui leur suffit, c'est leur Torah. Ce qui leur suffit, c'est leur messager Moïse. Mais ils n'ont pas besoin du prophète Mahomet, ils n'ont pas besoin du Coran. C'est pourquoi Dieu dit, il ne nous reproche rien que ça. Parce que nous croyons à Allah et au messager Mahomet, paix et salut sur lui. Alors que les gens du livre ne veulent pas croire en ceci. Ils ne veulent pas croire. C'est pourquoi ils sont restés de leur côté. Ils ne veulent pas venir chez le côté musulman. Donc Dieu nous demande maintenant, il ne nous reproche rien que ça. Chose que nous avons acceptée, c'est la chose qu'ils ont refusée. Mais est-ce que vous voyez, ici il y a combien de groupes ici? Il y a deux groupes. Deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de Mahomet. Le deuxième groupe, c'est ce groupe-là que Dieu a qualifié de gens de livre. Gens de livre. Mais quel est ce deuxième groupe? Il s'agit, Dieu va détailler après. Dans chapitre, dans verset 60, 61, 62, il va détailler. Il va dire que lui, il s'agit des chrétiens, il s'agit des juifs, quand il parle aux gens du livre. Parce que déjà, il y a deux groupes. Quand Dieu dit aux gens du livre, qui est en train de dire ici? C'est le prophète Mahomet qui est en train de dire. Mais si le prophète Mahomet lui-même en faisait partie, mais il allait dire, comment allait-il dire encore aux gens du livre, alors que lui, il en faisait partie? Et il pouvait dire, oh nous les gens du livre. Mais il n'a pas dit ça, il dit, oh gens du livre. C'est-à-dire que lui, il n'en fait pas partie. Sa communauté n'en fait pas partie. Son Coran, son livre n'en fait pas partie. Mais ceux qui ont reçu le livre, les chrétiens, les juifs, ce sont eux qui sont appelés aux gens du livre. Et le prophète est en train de s'adresser à ceci, en quoi disant? En disant que, est-ce que vous nous reprochez quelque chose autre que de croire à Allah et ce qui a été descendu sur nous? Et nombreux parmi vous sont des pervers d'air. Nombreux parmi vous sont des pervers. Donc voilà ce que Dieu dit. En bas de nous. Ni a dalu folay mi bayra awla ka fo ni ya me ahlul kitab ala kante muhammadu manto maya akante qur'ana tugu maya ni a dalu ya ala ko chogodi ala ko kirama ko hey muhammadu afo ahlul kitab mogoyi afo ahlul kitab mogoyi ko chogodi ko yala aw ahlul kitab mogoyi est-ce que aw bi kanka aw nankar ne fere min te ko aw ndambe alala ani min jigin be an kanu e qur'ana yawa ambadi ko yala chrétien ani yahudiyo ani kira qur'an mau est-ce que ubikanga an kokoramatige ne fere min te ni yawa anga nyen galike ubikanga an kokoramatige ne fami ni yoyo an kan dambe qur'ana na an dambe kira muhammadula mais est-ce que ahlul kitab mo ko lu dambe ni nawa uluma son o sambe ka injila de o ka bibil injila taurata Osambe uludi. Ano kakira Isa, Musa. Mais est-ce que vous sambe on kakira Muhammadu yowa? Oma soye, c'est évident. Mbadi uniyora de la, ala yowolomani ke kabo. Kafo, jamakulu bebeyi, jamakulu mouye Muhammadu mantonyi. Wa jamakulu wera beyi, afonu mako ahalu le kitab. Ahalu kitab mogou, uludi gafi soro, kakwa on kontigi Muhammadu nye. Niye, Kurana soran duru, aya biduru ne konanto. Mbadi un, anga jigi duguma. Chapitre 5, verset 60. قرآن سورة دورو آية بيورو ألا قلت شو دي أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغرب عليه وجعل منهم الكردة والخنازرة وعبد الطاغوت ام بدون ني قران سوره دور ايا بيورنا اولئك شر مكانا وقد ضل عن سبيل ان سواء السبيل traduction en français chapitre 5 verset 60 dit puisse vous informer de ce qu'il y en a de pire que tout cela. Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, ce dont il a fait des singes, des porcs, et celui qui adore les tabous,
ceux-là ont la pire des places et ceux-là se sont égarés du droit chemin. Et vous voyez, c'est la suite. C'est la suite de ce que Dieu avait dit dans chapitre 5, verset 59. Et dans 60, il est en train d'expliquer également que ceux qui ont encouru la couleur de Dieu, ce que Dieu a maudit, ce que Dieu a transformé en singe et en porc, que ceux-ci vraiment ont la pire des places. Ils ont la pire des places, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont eux qui vont récolter la pire des récompenses. Et ce sont eux qui se sont égarés de l'égarement, du vrai égarement. Ils se sont égarés du droit chemin. En bas donc, nié à Aya Biwaronaï. Abis à moi, Aya Biwaronana, Alaye, détail de Dibélé, Ahalou Kitab Moroka, Kafouli, Oyo Ahalou Kitab, tant que ou Masson Koni, ou Kabla Okuna, ou Bejahanama Kona Lahara. Ou Fala Sanfe. Maintenant, Aya Biwaronana, Alako, Kafara ou Kafana, Wale do Fana Be, Mounou Fana Kajoual, Mite Ahalou Kitab Moroka Wale. Abganga Fama, ou Wale do Jumei, Ode, ma mine alaya tiki danga. Na alaya mogo min danga. Ofana wale ka jugut madola alika teme. Ahaloli kita mogo be min kei. Onana boy. Ma miye alaka funu nini. Alaka dimi be ma mika. Ofana tu madola ma ka jugu atame. Al ahaloli kita mogo ka. Noe kirechan ani yahudi ya wii. Ofana ka boy. Ma mi fana bi. Ni alayi ui yalema. Ku ui yalema. Aido ke gwoy. Aere nyumana ni yora na wal khanazir. Ane le. Ko ofana ka jugu katme. Ahaloli kita mogo ka comportement actuel. Anu ka comportement ka obika ngamike. Ani kabo ofana na. Mogo mi yifimere bato. Minte alaye. Nunu fane wale. Wale munu ka jugu. Kafara ahaloli kita mogo ka comportement ka. Sa se chapitre 5 verse 60. Na amabane. Anga wa amalbi. 61. Ala ko chugut. Ala ko. Wa iza jaukum. Wala. Kuma beyande. Wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr wa kharaju bih wallahu a'lam bima yasna'un bima yaqtumun plutôt. Abadou chapitre 5 verset 61 traduction en français. Dieu dit, et quand ils viennent chez vous, quand qu'ils viennent chez vous, quand et lorsqu'ils viennent chez vous, elles disent, nous croyons. Alors qu'ils sont rentrés mécréants, ils sont rentrés avec la mécréance et ils sont sortis avec. Et Dieu sait parfaitement ce qu'ils cachent. Est-ce que vous voyez? Voilà la suite. Chapitre 5, verset 61. Dieu dit quoi? Et quand ils viennent chez vous, ils disent, nous croyons. Et voilà ce que Dieu dit des gens du livre. Mais à ce niveau, il y a deux groupes. Quand ils viennent, ça c'est le premier groupe. Dieu parle des gens du livre ici. Quand les chrétiens et les juifs et ceux qui ont reçu les livres bien avant vous, quand ils viennent chez qui? Chez vous. Chapitre 5, verset 61. Vous ici sont qui? La communauté de Mahomet. Ceux qui ont le Coran. Dieu a fait une différence entre ceux qui ont le Coran et les gens du livre. Lorsqu'ils viennent chez vous, lorsque qui vient chez qui? Lorsque les gens du livre viennent chez vous, communauté de Mahomet, ils disent quoi? Ils disent nous croyons. Mais ce sont ces parties dont je veux que vous analysiez. Analysez-les très pertinemment. Dieu dit, lorsqu'ils viennent chez vous, il y a combien de groupes? Deux groupes. Premier groupe, lorsqu'ils, le pluriel ici, remplace les gens du livre, parce que ce sont eux qui sont les sujets depuis verset 59. Dieu dit, quand ils viennent chez vous, ils font quoi? Ils disent quoi? Ils disent qu'ils croient. Dieu dit alors qu'en vérité, ils sont rentrés avec la mécréance et ils sont sortis avec. Ils ne croient pas. Et Dieu sait parfaitement ce qu'ils cachent. Chers auditeurs, auditrices, voilà la différence entre ceux qui ont le Coran et les gens du livre. La façon dont Dieu a fait la différence. Les gens du livre sont ceux qui ont reçu les livres bien avant la communauté de Mahomet, bien avant le Coran. C'est pourquoi Dieu dit, lorsqu'ils viennent chez vous, il ici est mis pour les gens du livre. Et vous ici, sont ce qu'on appelle la communauté de Mahomet. Ambadou, alakou, wani onana aouma, ou bafa awi, kounou liman yala,
katasro omanan limaniyai odona ni kafriyai obola ni kafriyai wa obemindugo alabado obemindugo alabado nu nana oma ni jonu nana oma ahalul kitab mau jama kala flayo lade nu nana oma obafa awiye kulu liman yalembe ni jonu nana oma ni aya bioro ni kelenai ni aya bidur ni konantona ala ku ale kambe ahalul kitab mago odema ahalul kitab mago ahalul kitab mago de manana muhammadu ka mago ma wa ahalul kitab mago ba fo kulli manela jama kulu mende CCGT Burkina Faso Jafar munun ko ko muhammadu manto ya ahalul kitab mago doy hala dungo no nana awma no nana awma ni jon nana awma de ni ahalul kitab mago de nana awma ni jama groupe kelembele ni groupe flade do de bena doma jon de bena jon ma ahalul kitab mago de bena aw muhammadu manto ma au quranati goma ko tugo di kulu yaru limal ya lembe ala ku mali mania obina obita no bola ko robitu take jama kala joli fla na sorola muhammadu manton ku no wele ahalul kitab quran ko no ala ku tena fon chugala mbadu ala jama ke fla ka ba ahalul kitab o ikra ko maude taurata injila mau abi famwa mba ko do rabbi de lana kumannuna amina sama duguma Amsam donc ni aya bioroni kelenai passons maintenant au 62e chapitre au 62e verset Qur'an kono asran duru aya bioro ani flambadu chapitre 5 verset 62 ala djuma fam ala ko a'udhu billahi min sharri shaitani rajim wa tara kaseeran minhum yusarri'una fil ism wal 'udwan wa aqd suht labisa ma kanu ya'malun ambadu ala ko chapitre 5 verset 62 Quran sura duru aya biwara anifla alay mufa alako wafana watara kaseeran minhum yusarri'una fil ism ko ina ma chamaye uchala munu bekanka ukabarake jurumu keli ukabarake jurumu keli wa aqlu suht traduction en français d'ailleurs ça va nous faciliter la bonne compréhension chapitre 5 verset 62 quand Dieu dit et tu verras beaucoup parmi eux se précipiter vers le péché et l'immunité. Vers le péché et l'immunité et de manger des gains illicites. Et de manger des gains illicites. Et comme est mauvais ce qu'ils font. N'est-ce pas? Et comme mauvais vraiment ce qu'ils œuvrent. Et si vous voyez, chapitre 5, verset 62. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ici? Il a donné la description des gens du livre. Ça en fait partie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que s'ils viennent, vous verrez beaucoup parmi eux se précipiter vers les péchés, beaucoup parmi eux se précipiter vers l'immunité. Est-ce que vous voyez? Dans ce cas, si vous n'entendez pas dire qu'il y a tel pasteur qui a fait quoi comme péché, vous allez dire qu'il y a un membre de l'église qui a fait ça comme péché, et Dieu, voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Si l'on parvient vraiment à témoigner, à prouver la preuve que vraiment tel pasteur avait fait tel péché, ou bien avait fait ceci, avait fait cela, et voilà ce que Dieu dit dans le Coran, que c'est ça exactement. Vous verrez beaucoup parmi eux se précipiter vers les péchés. Vous verrez beaucoup parmi eux se précipiter vers les péchés. Est-ce que vous voyez? Mbadoum, Allah yé ahalul kitab mao. Aye ou louka description. Aye ou description de Fanaken Yorena. Kina ma chamayu uchela. Ahalul kitab mao uchela. Muno ni vraiment obe kujugu fani nyuma yi akujugu kela kachana nyuma kela yi ala koti akujugu kela akachana nyuma kela yi meni mbela on makobe mina kretion obe ni donta obe ni bota otede yahudi obe ni donta obe ni bota otede me on makobe mina dron ika don ala yijon de wele kurana kono ko ahalul kitab ala yijon de wele kurana kono ko ahalul kitab iko de don kwa ni yo don Ola aun sigi men aya miye Qur'an suran duru aya bi woroni shegi obe no ya ebulo Amfam donc chapitre 5 verset 62 niwe Nambola edu chapitre 5 verset 63 C'est une continuité Amfam moi chapitre 5 verset 63 Qur'an suran duru aya bi woro anisaba Naka di awi en rebse ga pan oro kan deja mais on peut lire en français sans faire de commentaire Amfam Dieu dit et Pourquoi les rabbins et
les docteurs des lois religieuses ne les empêchent-ils pas de des propos mensongers ainsi que de manger des gains illicites ou des gains ainsi que de manger des gains illicites. Est-ce que vous voyez? Donc dans ce contexte-là, l'on comprend déjà ce que Dieu veut dire. Les rabbins ainsi que les docteurs de lois religieuses, pourquoi ne les empêche-t-il pas de des propos mensongers ainsi que des gains illicites, de manger des gains illicites? Et comme est mauvais ce qu'il œuvre. Eh bien voilà, chapitre 5, verset 63. Ni Qur'an suran duru aya biworo anesaba. Ambalion, ni Qur'an, ni dolen no kaba. Alako, Uchela, no ik, ahalul kitab mogoy. Toujours, kumabe, ahalul kitab mogoy dika. Ikadon, ahalul kitab mogoy jonwe, alay kretyon, ani yahudiyaw, kira kura mao. Aïe, de décrire le Coran qu'on a, qu'on a le kitab, Jean du livre. Mais ça ne veut pas dire que la communauté de Mahomet n'a pas reçu du livre. Bien sûr, c'est que nous avons le Coran, c'est un livre. Coran est un bamboulo, livre de haut, kitabou de haut. Mais, anaka kitabou ya, ala ma wele, qu'on a le kitab, ne yore na ya. Aïe, mi wele, a le kitab, ambadou. Ode, kira kora mawi, mamouno y gafé soro, ka kwan aounye. Oulou de wella Qur'an fait ko ahalu le kitab abi fam. Donc nantara aya biwara ni nani nana o aya biwara ni nana fana, je pense que amiso ko yora fana toy n'y a pas assez d'importance pour nous à ce niveau d'abord amako be yora mina flo abi fam. Donc ori kama o 64 ni fana na alako ko yahudia ko ale alama. Donc o yahudia o nene minke alala ambadou ori kama ni nanina slamela walma ni mayinen alakama ki fanen alakama ki banen alakama. Donc ala yerenen na yoro mina qur'ana kono yahudia ofe ni yorei abi famo ala nenna yoro mina qur'ana kono ambadun ni oyorei. Donc ni enenna alakama okakun efe, ni banenna alakama okakun efe, ni fafana nenna alakama okakun efe. Sab mona iba don tigi tigi e mana nye chogo chogo itsega nye ka alabo imana nye chogo chogo itsega nye ka alabo ambe hakemate del donike la me bo fe yan wati kunrini amina inshallah. La sambadou comme n'a fait tout comme a fait tout comme au cadeau ni à la nénure au courant au cono maman ou tout à la madina la cala nén à la femme ou yahoudia ou dit wa voyez à la lulikita moro de katakama serreta à la kanga fa oui au cadeau mamadou manton courant à tout goûter mamadou manton courant à tout goûter note mamie qu'on me joka à la nén face à face. Il faut voir. Donc, ni en n'a pas de la vie. Il faut que tu aies la vie. Tu aies la vie. John de Kakumado, Yahudiao, Kurana Yoro du Mayafo, Suranduru, Aya Bior Aninani. Toujours Amganga Ahalulikita Moro de ka comportement ira ila. Ola neko auma. Munu kone ni yora in tradu, kafo ala kambe, ahalulikita moro munuma kao sembala. Allah hakibaru. Obekanga kumajugu de fauma. Ala bekanga ahalulikita moro de ka comportement jate jateta. Kira koro mao, kede chanu yahudiao. Obe mina, obe cheni mina, obe flemina, obe kujugu mina, ala uwele ahalulikitab. Wani yo ludo akabarai munu ya ala nen ko ala yitike mangelei Qur'ana kona mbadi suran duru aya biwara aninan ala mufui ala kwa ala yudanga me ulude yitike mangelei me ala te nangwa amedu okono wakati to manja ame fenga limbla direct la me
ni aya biwara ni nani nai. Passons maintenant au 65e verset. Qur'an suran duru aya biwara ni duru. Alako chugo di alako walaw anna ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna ankum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Traduction en français. Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certes effacé les méfaits et les aurions certes introduits dans les jardins du délice. Dans les jardins du délice. Ah, chers auditeurs, chères auditrices, ce verset va vous impressionner. Quant à ceux qui ont dit que les gens du livre, que la communauté de Mahomet en fait partie. Les gens du livre, que ceux qui ont reçu le Coran en fait partie. Et Dieu dit ici, si les gens du livre avaient la foi. Chapitre 5, verset 65. Si les gens du livre avaient la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi. S'ils avaient la foi et la piété, nous leur aurions certes effacé les méfaits. Et les aurions certes introduits dans le jardin du délice. Chers auditeurs, c'est vous qui êtes maintenant les juges de notre conversation. Si les gens du livre, la communauté de Mahomet, c'est-à-dire ceux qui ont le Coran en fait partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut dire que nous n'avons pas la foi, nous tous. C'est ce que ça signifie, parce que Dieu dit les gens du livre, s'ils avaient la foi, s'ils avaient la foi et la piété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont ni la foi, ni la piété. Mais s'ils avaient ceci, Dieu dit, il leur aurait pardonné les péchés et les aurait introduits dans les jardins du délice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que les gens du livre ne sont pas ceux qu'on appelle ceux qui ont le Coran. Ceux qui ont le Coran, c'est-à-dire la communauté de Mahomet, on ne les appelle pas ici des gens du livre. Si ils sont appelés des gens du livre, ça veut dire ici que Dieu s'est contredit. Parce que Dieu a dit que vraiment, dans le Coran, chapitre 14, verset 31, qu'il y a des croyants parmi les gens de Mahomet, c'est-à-dire ceux qui ont le livre. Il y a des croyants parmi eux. Il y a les croyants parmi la communauté de Mahomet, c'est-à-dire parmi ceux qui ont le Coran, il y a des croyants parmi eux. Chapitre 14, verset 31. N'est-ce pas? Chapitre 2, verset 110. N'est-ce pas? Chapitre 2, verset 153. N'est-ce pas? Chapitre 5, verset 6. N'est-ce pas? Chapitre 4, verset 43. N'est-ce pas? Chapitre 22, verset 77. N'est-ce pas? Chapitre 24, verset 30-31. Dieu dit qu'il y a les croyants parmi les gens du Coran. On va les appeler ici les gens du Coran. C'est-à-dire ceux qui ont le Coran. Mais quant à ceux qu'on appelle les gens du livre, Dieu dit que ceux-ci sont les chrétiens, les juifs. C'est pourquoi il dit, si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certes pardonné les ou bien effacé les méfaits et nous les aurions introduits dans les jardins du délice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les chrétiens et les juifs avaient accepté l'islam, s'ils avaient cru, s'ils étaient devenus musulmans, Dieu allait effacer leurs méfaits et les aurait introduits dans les jardins du délice. C'est ce que ça veut dire. Eh bien, voilà ce qu'on appelle les gens du livre. Dieu dit, chapitre 5, verset 65, si les gens du livre avaient la foi et la piété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi ni la piété. Il s'agit de qui? Les chrétiens, les juifs. Leur croyance est vaine chez Dieu. Leur piété est vaine chez Dieu. Les gens du livre. Est-ce que vous voyez? Quand est-ce que leur croyance sera importante? C'est lorsqu'ils vont accepter la croyance du Coran. Sans ça, leur croyance vraiment est qualifiée négative par le Coran. N'est-ce pas? En badou, ni au Coran sur un duru, aya biora aniduru. Alako, na sorola, ahalul kitabu mokokun limaniala, ani kastran alanye, ale alakumboka jurumu yafa, ani kudu aljanakono. Aikma ifamwe, kona sorola, ahalul kitabu mokokun limaniala. Ahalul kitab mokou, na sorokun limaniala, ani kastran alanye, Allez, Allah kumbu do aljana kono. Et John de ahalul kitab mokoya. Allah dunko déjà, Kurana tigou, mamouni ou Kurana soro. Ko, limania jombe ou luchela, wa ala yensra jombe ou luchela. Kurana tigou. Ko sebe lembe Kurana kono. Suran tani nani, aya bisaba nekele. Suran mga anifla, aya biolevla ni olevla. Suran nani, aya keme anisaba. Abifa moi,
ambadu nunu yoro ala ko yoro mina ko limaniya jom be qur'anati ko fei mais ala du mala ka fo ya ko nasula ahlul kitab mako kun limaniyala kaskla kasra ala nye ale ala kuna yafa uma kakla ku dual jana kono obe muhira o malimaniya wa masra ala nye metena kuma kuma kame jono de mako ahlul kitab mako ina donkira ka mako kote qur'anati ko kote mais ala kambe chrétien ou yahudi ou dema ulumu ni islamia ye kakla ka ban ka tuka chrétien ala ka tuka yahudi ala ala kambe ulu dema kuno ku sala ka limaniya ale ala akumbu uka jurumu ya faka kila kudu aljana kono. Ama bande, kujume, aya biwara ni warana, wala wanna huma akamu taurata wale injila, wama unzila ilihim. Wala, kuma bende, chapitre 5, verset 66, jie de kwa, et s'ils avaient pratiqué la Torah et l'évangile, voilà, voilà. Et s'ils avaient pratiqué la Torah et l'évangile, et ce qui a été descendu sur eux, ils auraient joui, ce qui est au-dessus d'eux, ce qui est au-dessus d'eux et sous leurs pieds. Est-ce que vous voyez? Dieu dit quoi? Si les gens du livre avaient pratiqué la Torah et l'évangile. Est-ce que vous voyez? Donc si, Dieu dit, et si les gens du livre avaient pratiqué la Torah et l'évangile. Mais Dieu a appelé qui ici à pratiquer la Torah et l'évangile? Ce ne sont pas les gens du livre? Ce sont les gens du livre. Et qui sont-ils? Dieu les a déjà identifiés en disant que ceux qui ont déjà reçu les livres, à travers la description, à travers les détails. Est-ce que vous voyez? Ce sont ces mêmes éléments que Dieu a appelés dans chapitre 5, verset 68, en disant, « Kul, ya ahal al-kitab, lestum ala shay'in, hata tuqimu taurata wal injil wa ma unzila ilaykum rabbikum. » Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne conformez pas à la Torah et à l'évangile et ce qui a été descendu sur vous. Chapitre 5, verset 68. Donc, tous les détails qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a eu à dire, c'était pour que vous compreniez qui étaient ce qu'on appelait dans le Coran des gens du livre. Eh bien voilà, ce sont les chrétiens, les juifs et autres, ceux qui ont reçu les livres qu'on appelle des gens du livre. Et ce sont ici que Dieu a appelé à pratiquer la Torah et l'évangile. Mais il n'a demandé à aucun membre du Coran de pratiquer la Torah ou de pratiquer l'évangile. C'est faux et archi faux, Dieu ne l'a pas dit. Et voilà les preuves. Et nous allons laisser la ligne en direct. 21. Ambadou. Nunu de dalwe ni bayira ila ni qur'ana sura duru a aya bi worani duruna ni bi worani wolflana a bi worani duruna ni bi worani worona ala ko ahlul kitab mogo ko lu de ga baraken tawrata e lu de ga baraken injila e ahlul kitab mogo o ahlul kitab mogo la ambola ka detay iye ka fo alama muhammadu mantun jate munu be baraken qur'ana e amulu jate ahlul kitab mogo fe o dalu chama ira le ila depi aya bi worani kelena katabla aya bi durunu konotona aya bi worona aya biorani flana biorani sabana biorani nanina foka tabla sisan ala ko yoromena aya biorani wolflana ani biorani shigna ko ka fo ahlul kitab mogoi o ka baraken tawratai o ka baraken injilai ma ala ma foka fo qur'anati guye o ka baraken injilai o ka baraken tawratai o tichai ani famo ambadu ala mi fo ni oyi ai mi fo ni oyi donc amena limbla direct la wakati chamati comme nous nous fana de ngare srema laban yi c'est une occasion pour que nimi mason rom yi toujours mais mi CCGT Maui comité culturel de la génération des trois testaments Jafar kaba Burkina Faso c'est à dire que li mabla ou kama o chekele kana do o mo sokele kana do sentala mi fola o yoko ke fola a fola o kanare srema nun ti o kara mo godema Jafar na ya lame donc na mason rom yi na mo glantu ko ma mo glanta donc no mase ko ke. Donc la ligne là qui laisse la ligne en tranquillité, en paix. Mourani Kelly, biolève la noire, biolève la nifla, bichigan ouleve la 21 76 72 87. Mourani Kelly, biolève la noire, biolève la nifla, bichigan ouleve la. Abifam, ane tarata la, mekalouk l'étan Kelly, samba fla mourani Kelly. La selkela oustaz berte, ala kawaraba mouroutilin, karamogo chariati ge sigasu, la fiabougou, koko. Radio Ikaira FM, 102.0 comme nya fa tu gomina ne fana de ngala seli kun laban ye inshallah akana balawla akana ban le mardi 18 mai 2021 abi fama comme déjà message là cela kaban mi ko membolo fola kaba don a to oba de bolo ne mono chan don na ka di uyi o ka barake ni chan yi o mana barake ni chan yi ana fanti se ma wara manu yorote don na fana ka du yi no chan don o ka to kalona no tola kalona no fana sala
maureta jahanama ke ulu nono donc mi ku meneka ode ka nyafa awi aba fam sa pa la peine ngara double direct la belle il est 9h57 amena ese ka bitable donc ngane ga juro numero 70 03 48 53 70 03 48 53 biolovla fu anisaba binana anishigi bidru anisaba abifam biolovla fu anisaba binana anishigi bidru anisaba 70 03 48 53 ore fananga whatsapp numero sur internet anga groupe membe min to dambe ko momino ka groupe le manager anga groupe wala ni mami kela kebe fanga do groupe ina donc et ben contacter numéro info 70 03 48 53 donc inshallah et ben ajouter chogo mina o benya fie donc ame bita blan yore na ne ga nyene ala fe ala ka shinira ana ne kana kelinka radio kaira 9h10 inshallah wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Doni siragabo karamo ko beriti doni siragabo insezi beriti doni siragabo kuraneti bin doni siragabo adisati bin doni siragabo kabagoti bin nezukame insezi beriti mu nezukame kuraneti dem karamo ko ntante wa nejedikame insezi beriti Karamoko, karamoko ntante wo Isazi berite yo Che alade, sugo da ila Che kirade, sugo da ila